Bonjour et bienvenue. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour faire ce petit pop-up. Alors, vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Il ne faut pas beaucoup de matériel et ça va très vite à réaliser. Voilà, ça se présente comme ceci. Voilà, c'est une petite carte comme ceci à tirette. Alors, vous pouvez mettre une, deux, trois, quatre et cinq photos. Voilà, comme ceci. C'est très très simple à réaliser et vous allez voir, ça va très vite. Donc, je vous laisse avec le tuto et je vous dis à bientôt. Alors, pour ce tuto, vous allez voir, c'est très facile. Il vous faut toujours une base. Alors, votre page d'album, ou alors si vous voulez le faire, vous pouvez le faire en carte. Alors, de 21 cm, moi j'ai pris sur 21 cm. Ensuite, il vous faut deux rectangles. Voilà. De 14 cm sur 17 cm et un autre rectangle de 14 cm sur 20 cm. Voilà pour notre papier cardstock. Après, il vous faut forcément votre papier déco. Alors, avant de commencer, voilà notre tuto. Vous allez commencer par coller votre papier déco. Alors là, je vais le faire parce que on ne sait jamais si je m'en resserre, j'en suis pas sûre, mais voilà. Donc, vous posez votre papier déco sur votre page. Alors, je vais essayer de faire ça bien quand même. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous prenez vos deux rectangles, alors, et vous allez les plier en deux. Alors, moi, je vais pas prendre. Je vais le faire comme ça ira tout aussi bien. Après, si vous voulez prendre votre massicot pour tracer votre ligne, vous pouvez. Mais enfin, quand c'est des petites pièces comme ça, voilà, vous pliez en deux comme ceci et vous faites la même chose avec l'autre rectangle. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous prenez votre grand rectangle. Alors, celui qui mesure 20 cm sur 14 cm. Vous allez tracer ici, du côté de la pliure, vous allez tracer à 1,5 cm. Voilà, comme ceci. Vous faites une ligne. Voilà. Ensuite, vous prenez le plus petit rectangle et vous allez venir mettre de la colle sur un côté. Voilà. Et vous allez venir le coller ici, comme ceci, au niveau. Voilà de votre ligne. Alors vous mettez bien, voyez le côté de la pliure ici. Vous venez coller, voilà comme ceci. Alors vous vérifiez ensuite normalement. Si vous avez respecté vos mesures, ça doit être bien droit. Voilà ce qui vous donne ceci. Ensuite, alors, voilà, vous allez bien coller. Vous allez prendre votre page d'album, comme ceci. Ici, cette partie-ci, alors vous voyez comment c'est collé. Vous avez vos deux parties ici, voilà, qui sont collées. Ça se présente comme ceci. Vous allez venir remonter ici, cette partie-ci. Voilà ce qui va vous donner derrière ceci, comme ceci. Et vous allez venir mettre de la colle sur cette partie ici. Alors je vais bien vous remontrer parce que quelquefois c'est pas évident. Vous avez collé ici votre petit rectangle sur le grand, comme ceci. Vous soulevez cette page-ci. Les deux autres en dessous sont collés ensemble. Donc vous soulevez cette page-ci.
vous retournez votre feuille, ce qui va vous donner ceci, et vous venez mettre votre colle sur cette partie-ci. Alors, vous mettez votre colle jusqu'à la pliure ici. Voilà. Ensuite, lorsque vous avez mis votre colle, vous allez retourner votre feuille comme ceci et vous allez venir coller. Alors, moi, je ne mesure pas, mais forcément, il faudra bien le centrer. Voilà. Et vous collez. Ceci. Ensuite, vous allez venir mettre votre papier déco. Alors, je vais le faire avec vous. Comme ça, en même temps, ça permet de laisser sécher, parce que surtout, ne le faites pas fonctionner. Attendez vraiment que ça sèche avant de vraiment faire fonctionner le pop-up. Voilà. Ensuite, voilà, j'ai des problèmes avec ma colle qui ne veut pas sortir. Voilà, vous voyez, c'est un petit pop-up franchement facile à réaliser. Je me suis trompée de carré. Facile à réaliser et puis il fait son petit effet. Vous allez voir quand on va le faire fonctionner. Voilà, pour le moment, oh bah décidément, j'ai préparé mes petites décos d'avance, mais je me trompe parce qu'il y en a de différentes tailles, forcément. Voilà. Là, bah, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai l'impression que j'ai coupé trop grand. Pour une fois que je vais faire la déco avec vous, ça ne réussit pas. Donc, c'est pas grave, je vais la recouper. Voilà, c'est réparé. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous prenez la feuille du dessous et vous tirez. Voilà. Et vous venez mettre votre déco forcément de ce côté-ci. Comme ceci, et vous avez encore une petite carte ici en dessous. Voilà, comme ceci. Voilà, donc vous prenez la carte en dessous et vous tirez. Et voilà votre petit pop-up. Est terminé. Vous voyez, c'est assez simple à faire. Enfin, c'est mignon. Après, vous pouvez mettre ici aussi quelque chose, hein, une petite ficelle ou quelque chose pour pouvoir le tirer. Voilà. Notre pop-up est terminé. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau pop-up. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à bientôt.